Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'avais déjà vu passer dans sa version anglaise et j'avais failli craquer. Et puis je me suis dit non, je ne vais pas craquer parce qu'au final je ne l'utiliserai pas, même si ce sont avec des animaux. Et je viens de voir avant-hier qu'il avait été traduit en français, donc je me suis jetée dessus et je ne suis vraiment pas déçue parce qu'il est vraiment magnifique. Bon, évidemment, on connaît tous les jeux de Ciolo Thompson, hein. Elle a vraiment sa patte artistique qui lui est propre. On reconnaît directement ses illustrations, hein. Elle a fait le tarot du funambule, le tarot de l'entremonte, il y a son petit Lenormand aussi. Enfin voilà, on reconnaît tout de suite ses illustrations. Et ici, elle a fait un oracle spécialement dédié aux animaux, donc l'oracle des animaux de la forêt boréale. Qui vient d'être traduit du coup aux éditions Vega, chez Très Daniel, et franchement, il est magnifique. Du coup, on va le regarder ensemble. Donc, il arrive dans une boîte cloche en dur, hein, comme tous les jeux maintenant. Et on va lire ce qui est écrit au dos. La sagesse des esprits animaux de la forêt nordique. Cet oracle s'inspire des croyances et traditions celtiques, druidiques et nordiques. Vous y trouverez 54 animaux ainsi que leurs messages respectifs. Depuis l'aigle majestueux jusqu'à l'humble roitelet. Tandis que le lièvre des neiges évoque la liberté et la folie, le faucon nous invite à la lucidité et à l'analyse. Le sanglier nous parle de bravoure et la biche nous conseille la prudence. Même si nous vivons éloignés du monde naturel, nous pouvons nous connecter aux esprits animaux qui ont guidé nos ancêtres. Ils nous appellent depuis les montagnes, les forêts et les royaumes invisibles. Sublimé par les impressionnantes illustrations à l'aquarelle de Ciolo Thompson, les cartes de cet oracle renforceront vos lectures grâce à leurs détails étonnants. Et le livre d'accompagnement vous présentera la mythologie d'autrefois pour inspirer votre vie moderne. Alors, dans ce coffret, il y a 54 cartes magnifiquement illustrées. Et là, je vous arrête tout de suite parce que je les ai comptées. Ça, c'est un truc que je fais automatiquement depuis maintenant un an ou deux. À chaque fois que je reçois un jeu, je compte le nombre de cartes pour être sûr qu'il n'en manque pas une, parce qu'il y a des fois des jeux qui ne sont pas numérotés, etc. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je vous donne de bien les compter pour être sûr qu'il n'en manque aucune dès le départ. Et il n'y en a pas 54, il y en a 56. Donc là aussi, ils ont mis 54, mais non. Sur la description Amazon, il est bien marqué qu'il y a 56 animaux et je les ai comptés. Trois fois les cartes, j'ai compté dans le sommaire aussi dans le livre et il y en a bien 56, donc c'est encore mieux au final. Donc ils ont fait une petite faute, il y a 56 cartes dans ce jeu. Un livre d'accompagnement de 196 pages tout en couleur et un sac, un pochon satiné pour protéger les cartes. Et il est au prix de 26 euros. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Déjà rien qu'en l'ouvrant, moi j'ai fait waouh quand j'ai vu la boîte. Voilà, dans le couvercle on a cette magnifique pie. Avec ce crâne magnifique, avec des touches d'aquarelle. Je trouve ça trop beau. Ça me fait penser à ma petite pie que j'avais sauvée des griffes de mes chats. Hein, quand je vois une pie, maintenant, je pense toujours à elle. Et l'intérieur, je vais vous montrer, je fais tout bouger, le pied. Voilà, il est comme ça. Ils ont fait vraiment un effort. Et même la boîte, regardez, les côtés aquarelle comme ça. C'est très, très joli. Franchement, il est vraiment... Enfin, vous allez me dire, je dis tout le temps ça, mais celui-ci, franchement, il est magnifique. Donc, on a le livret, assez épais quand même. Hein. Quand on ouvre, on a quelques illustrations déjà pour nous donner l'eau à la bouche avec ce magnifique renard ici. Et ici, regardez. Enfin, je vous avoue que j'étais en extase devant toutes les cartes, moi. Et en plus, 56 cartes, c'est merveilleux, quoi. On a de quoi faire. Le seul petit bémol que moi, je dirais, c'est que c'est écrit très, très, très petit. Bon, si vous n'avez pas de problème de vue, mais si vous avez 42 ans comme moi et que votre vue baisse un petit peu, bon, c'est un peu petit. Mais bon, je suppose que c'était pour éviter de faire un énorme livre parce qu'il y a énormément de textes. Bon, je sais lire, hein, c'est pas... Mais je ne suis pas habituée à avoir du texte aussi petit par rapport à d'autres livrets, c'est ça en fait. Donc on a une introduction, comment utiliser les cartes, puis on a la signification des cartes. Donc même ici, je les ai comptées pour être sûr qu'il y en avait bien 56. Hein. Une conclusion, des remerciements et un petit à propos de l'auteur. Donc on a une introduction hein, où elle nous parle du jeu, etc. Que les animaux présentés dans cet oracle sont originaires des pays nordiques. Les contes et légendes et les coutumes populaires qui leur sont associées sont librement inspirés du paganisme celte et nordique.
Certains contes, artefacts et remèdes populaires trouvent leurs origines dans la sorcellerie. D'autres ont été trouvés dans de vieux manuscrits ou lors de fouilles archéologiques sur des sites romano-celtiques ou gaulois. Voilà. Vous découvrirez également dans ce livre d'accompagnement la mythologie grecque et romaine, ainsi que des histoires et traditions datant du début du christianisme. Voilà, bon, ici, elle vous explique tout, comment utiliser les cartes. Voilà, donc ça, je vous laisserai lire, hein. Puis on a les mots-clés. Sur chaque carte de cet oracle est inscrit un nom d'animal. Plusieurs mots-clés lui sont associés dans le livre. Ces mots-clés sont destinés à vous aider dans votre lecture ou à proposer des points de référence rapides. Ensuite, préparation. Ben, comment vous préparer à faire votre tirage? Comment tirer les cartes? Ici, elle propose soit on peut faire un tirage à une carte, soit en trois cartes. Voilà. Bon, ici, c'est assez classique. Passé, présent, futur. Et puis, on passe à la signification des cartes avec l'illustration en pleine page, en couleur de la carte. Son nom, les mots-clés qu'elle vient de dire. Et alors, ici, on a le petit texte de mythologie. Et alors, après, enfin, mythologie, elle vous explique conte, mythologie, etc. Et ici, on a dans la lecture. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Voilà. Donc, il est franchement magnifique. Et vous allez voir, les animaux sont tout aussi magnifiques. Je voulais juste vous montrer la fin quand même, la conclusion, les remerciements. Ici, une petite photo de Ciolo Thompson. Et puis, on a aussi quelques pages de notes si jamais on veut écrire des petites choses. Voilà. Franchement, le livre est génial. On lira une petite carte après. Comme ça, vous aurez une idée de ce que le guidebook renferme. Voilà, voilà. Donc, les cartes sont comme ceci. Bon, le pochon, vous l'avez vu, il est gris. Ce sont les pochons très Daniel qu'on connaît tous. Ils ont bien fait de mettre gris. Voilà, ça change des dorés. J'attrape juste une carte de tarot. Comme d'habitude, je ne l'ai pas préparée. Je vais tout bouger. Voilà. Et ce sont des petites cartes. Bah non, même pas. C'est format tarot, en fait. Ah ouais, j'aurais juré qu'elles étaient plus petites. C'est format tarot classique. Et franchement, j'aime beaucoup la taille. Je l'aurais moins vu en carte oracle grande taille, là. Et il tient super bien en main. Du coup, ça, c'est super agréable. Ça fait un petit paquet. Le dos est comme ceci, avec des petits oiseaux. Donc, si vous voulez vous pratiquer l'endroit en vert, on peut très bien l'employer en renversé. Voilà. Franchement, j'aime bien. La tranche est argentée, c'est bien. J'aurais moins vu du doré. Franchement, j'aime bien encore l'argenté. Et je trouve qu'avec celui-ci, c'est joli. Il n'y a aucune bordure, c'est comme d'habitude, hein, très épuré. Les illustrations de Ciolo Thompson sur un fond blanc, ça c'est assez typique. Hein. Et on retrouve ici l'animal, son nom et un petit mot-clé et des touches d'aquarelle. Donc ici, on a l'abeille. L'aigle avec l'autorité. Je vais vous dire le mot-clé en même temps. L'âne avec l'entêtement. Bon, il va nouveau recommencer à m'ennuyer avec la bougie. Je vais mettre le couvercle et le couvercle avec la pie. Ah, le temps de vous montrer les cartes. Sinon, il fait le focus. Il ne sait plus où faire son focus. L'anguille avec le mystère. L'araignée avec le tissage. Je ne suis pas particulièrement fan des araignées, mais j'adore ce fond rose. Il y a des plantes aussi. La baleine, la profondeur. Franchement, moi, j'en suis amoureuse. La bergeronnette avec l'agitation. La biche avec la prudence. Franchement, j'adore. Le blaireau, il est trop beau. Creusé, regardez son... Oh, j'adore. Je crois que c'est même un de mes préférés de ces jeux. Bon, évidemment, je ne suis pas objective parce qu'il y a des animaux. Vous allez me dire, oui, c'est vrai. Mais bon, j'adore ce qu'elle fait, mais celui-ci, franchement, je l'adore. Le canard avec naviguer. Le castor avec la construction. Le cerf avec le leadership. Regardez comme il est majestueux sur son rocher. Oh là 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 là. Le chat avec le détachement, il est trop beau. Un petit côté, ça fait penser avec les fleurs et tout ça aussi, à l'oracle des simples qu'elle a fait aussi, hein. La chauve-souris avec s'adapter, elle est trop belle. Le cheval avec le voyage, regardez le sapin enneigé ici derrière. Ah franchement, je l'aime trop. La chèvre avec l'indépendance. Et je vous avoue qu'hier, j'ai voulu le mélanger et tirer une carte, mais je n'avais pas le courage de le remettre dans l'or pour vous le présenter après, donc je me suis abstenue, mais j'ai vraiment hâte de tirer une carte avec. Le chien,
la chouette ou le hibou, elle a mis, moi je dirais plutôt hibou ici, hein, qu'elle a mis sur la boîte. Il est magnifique. Vraiment. Le cochon avec la prospérité. Ici, on dirait des baies de. Je sais pas si c'est du laurier, je sais plus comment on appelle ça, ou de genévrier, je sais plus. Le colibri avec la détermination. La colombe avec l'amour. Elle est, c'est vrai qu'elle est souvent associée à l'amour, la colombe. Avec ses petits dents lorgnées, regardez comme c'est beau. Oh, celui-ci, alors là, le coq avec la fierté, avec son petit cœur ici. Il me fait penser à mon coq et ça lui va tellement bien, la fierté. Pour ceux qui avaient suivi, j'ai eu un coq petit, un poussin qui était né le même jour d'anniversaire que moi. Bon, maintenant, il est devenu grand, il s'appelle Calimero. Et quand je le vois, on dirait Aldo Machon, quoi. Il fait sa petite démarche, là, il fait son fier devant ses poules. Il est trop comique. Donc, ça va tellement bien, la fierté. Cette carte est magnifique. Le corbeau pour la mort. On va mettre un petit champignon ici. Le crabe pour défendre. On voit, il monte ses pinces. Là, l'air de dire, t'approches pas ou je te pince. C'est-à-dire, je te pique, mais non, je te pince. Le cygne avec la beauté. Waouh. Oh, l'écureuil avec l'activité. Oui, c'est vrai qu'un écureuil, c'est un tempérament, quand on les voit, assez nerveux. Ça n'arrête pas de courir. C'est très rapide aussi. Voilà. L'escargot avec la lenteur. Les mêmes que j'ai dans le jardin. Des petits brins comme ça. Faucon pour la vue. La grenouille pour la chance avec ce crâne. Oh, moi qui adore les crânes en plus. La grue pour la vigilance. Le héron pour la patience. Oh, le lapin pour la fertilité. Oui, c'est vrai que les lapins, ils sont connus pour être assez de nature fertile, hein. Lièvre, la renaissance. Le loup, il est magnifique pour la liberté. Ah, franchement, c'est une magnifique découverte, hein. La loutre pour la joie. Il a un petit papillon, regardez, sous le bout de son nez. La martre pour la réciprocité. Ça, c'est pas un animal que je vois souvent dans les oracles d'animaux, la martre. Magnifique. Le merle noir pour le changement. Et c'est des animaux quand même qu'on connaît. Ce n'est pas des animaux, vous savez, de Californie ou qu'on voit jamais. Non, quand même. Le mouton pour suivre, ouais, suivre le troupeau. Hein. Loi pour la protection. L'ours pour la force. Regardez-moi, ça bouille. Ils ont beaucoup de bienveillance dans leurs yeux, ces animaux, enfin ces peintures. Elle a réussi à mettre de la douceur. Le phoque pour la créativité. Celui-ci m'a même l'air un petit peu tristounet. Petit cœur. Bon, la pie, elle est magnifique, hein, la dualité. Franchement, j'adore. La dualité, ça lui va bien, hein, blanc et noir. Côté yin et yang. En même temps, je le trouve très parlant. La pieuvre pour la stratégie. Ah, le rat. La peur. Et moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, oh, vous savez comme j'aime les rats. Oh, elle est trop belle. Fait penser aux miennes. Le raton laveur pour la survie. Le renard pour la ruse, il est magnifique. Magnifique. Le roitelet pour l'humilité. Il y a une petite clé. J'adore, j'en ai dans mon jardin. Ils sont trop mignons. Alors là, rouge-gorge, la serviable, le serviable, être serviable. J'adore les rouges-gorges et j'en ai un qui vient tout le temps dans mon jardin. Depuis des années, la salamandre pour le feu. Ouais, elle représente souvent la suite des bâtons dans le tarot d'ailleurs. Le sanglier pour la bravoure. Le saumon pour la sagesse. Le serpent pour le désir. La sterne arctique pour l'endurance. C'est peut-être celle-ci que je connais le moins du jeu. Le taureau pour la puissance. Ouais, c'est vrai, quand on voit les muscles d'un taureau, c'est vraiment des animaux tout en muscles. La tortue pour le sens pratique. Et on termine avec la vache pour les valeurs. Voilà, avec sa petite marguerite là. Franchement, moi, j'en suis amoureuse. Bon, du coup, on va mélanger. Il se mélange très bien. Franchement, ah, bah, on va prendre celle-ci. Bon, allez. Si c'est celle-là qui a voulu venir, bon, je vais quand même vous montrer s'il s'étale bien, comme je sais qu'il y en a qui aiment bien. Oui, il s'étale bien. Il glisse pas comme dans du beurre, comme je dis, mais il s'étale quand même bien.
Donc, l'escargot pour la lenteur. Ah oui, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas numérotées. Mais elles sont par ordre alphabétique, ma foi. Oui, si je vais à L apostrophe au lieu de E, je cherchais l'escargot. C'est ça, elles sont numéro par ordre alphabétique. Hein. Ouais, voilà. Voilà. On va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit. Bon, les mots-clés. Lenteur, constance, protection, assiduité, subconscient, rêve et inspiration. On dit d'une personne lente qu'elle se déplace comme un escargot. Et les anglophones parlent de snail mail, courrier escargot, pour désigner la lenteur du courrier postal par rapport au courrier électronique. L'escargot est utilisé comme métaphore pour désigner une action réalisée sans hâte et souvent associée à la paresse. Bien que l'escargot soit associé à l'indolence, tous les jardiniers peuvent confirmer qu'il s'agit d'une petite créature laborieuse qui peut rapidement dévaster un potager. La preuve de son activité nocturne est visible dans les traces de bave qu'il laisse sur son passage, comme une carte élaborée de ses déplacements souvent surprenants. Ces traces sont considérées par certains comme ayant un potentiel divinatoire. En effet, l'escargot est associé est associé de nombreuses façons au subconscient et au royaume invisible. La forme en spirale de sa coquille est un symbole du grand cycle de la vie, de la mort, de la renaissance et associée cette créature au divin féminin et à la lune. Les escargots se déplacent la nuit au plus près du sol, à travers la végétation des sous-bois. Alors, dans une lecture, si vous tirez cette carte, l'escargot nous rappelle de prendre notre temps. De manière générale, la précipitation ne favorise ni l'efficacité ni l'excellence. Plusieurs dictons illustrent ce principe. Par exemple, le slogan des forces spéciales américaines « Slow is smooth, smooth is fast », que l'on pourrait traduire par « qui va lentement va sûrement » et « qui va sûrement va loin ». L'escargot nous encourage à prêter une attention particulière aux détails et à nous intéresser aux petites choses cachées. L'allure et l'assiduité de l'escargot représentent parfaitement la façon dont les choses peuvent être accomplies en avançant à un rythme lent et régulier. Avec sa coquille en spirale et ses habitudes nocturnes, l'escargot est un émissaire de la nuit et du subconscient. Il nous rappelle le pouvoir de l'intuition, des rêves, de la créativité. C'est un guide précieux pour les personnes sensibles et les artistes qui sentent le besoin de se mouvoir dans le monde tout en restant protégés dans leur coquille. L'escargot vous rappelle qu'il est tout à fait normal de protéger vos dons spirituels et artistiques et de préserver votre nature sensible dans vos interactions sociales ou face à certains jugements sévères du public. Cependant, vos points faibles sont souvent votre plus grande force. Votre sensibilité et votre intuition peuvent être une grande source d'inspiration et donner de la valeur et du sens à votre vie. Ne me permettez pas que l'on vous brusque ou que l'on vous pousse à participer à des activités qui sont contraires à votre nature. N'oubliez pas que l'escargot se déplace la nuit lorsque les éléments sont en phase avec sa nature. Sans leur coquille, les escargots, pardon, mourraient rapidement s'ils étaient exposés à la lumière intense du soleil. Cherchez des moyens d'aligner vos actions dans le monde extérieur avec votre nature profonde. Par exemple, si vous êtes une personne introvertie et que les interactions sociales vous épuisent, cherchez un travail ou une activité qui ne vous expose pas au public. Il est tout à fait possible de poursuivre lentement mais sûrement vos objectifs sans pour autant devoir abandonner votre coquille. Inspirez-vous de l'escargot qui reste près du sol et se déplace dans la fraîcheur de la nuit. Alignez vos objectifs avec vos talents et les opportunités s'ouvriront à vous. Dans son aspect opposé, donc si c'est à l'envers ou en position de blocage, l'escargot nous met en garde contre l'indécision, l'inactivité et l'excès de prudence. Il nous recommande d'équilibrer la lenteur par l'action et de tempérer notre instinct d'autoprotection par l'audace. Bien que la lenteur soit souvent préférable à la précipitation, il nous faut cependant prendre des décisions et faire avancer les choses. L'escargot nous rappelle que nous pouvons nous protéger et prendre soin de nous tout en allant de l'avant. Les personnes escargots sont susceptibles de rester dans l'indécision par peur de faire de mauvais choix ou que leurs décisions leur conduisent à vivre un échec ou à souffrir. Pendant ce temps, les opportunités leur échappent. Si vous êtes sur vos gardes au point de vous isoler du monde extérieur, vous risquez de passer à côté d'occasions, de nouer des liens, d'évoluer et de prospérer.
En voilà un bien joli message. Bon, pour celui-ci, il n'y avait pas spécialement de mythologie, mais bon, voilà, c'était quand même un long message. Franchement, moi, je suis conquise par les messages du guidebook, par les illustrations, évidemment, hein, par le nombre de cartes aussi, 56, par le format aussi, format tarot, c'est très très bien aussi. Bon, la boîte aussi avec la pile dedans, franchement, j'adore. Enfin voilà, vous l'aurez compris que je suis fan du jeu. Voilà. Bah, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer, si vous le trouvez magnifique également, si vous avez craqué, pourquoi pas, si vous avez d'autres jeux de Ciolo Thompson et si vous aussi vous adorez les illustrations qu'elle fait. Hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé aussi le message de l'escargot que je viens de vous lire. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!